Bonjour, c'est Alex Casanova pour la capsule Sophrologie. Aujourd'hui, nous allons aborder le changement de saison et accueillir les énergies de l'automne. Donc, dans le processus de l'automne, l'idée, comme les arbres qui laissent leurs feuilles mortes se balancer jusqu'au sol, l'idée c'est justement de libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc pour cela, nous allons faire un exercice d'ancrage, comme vous savez le faire, à nouveau visualiser cet arbre intérieur que nous sommes, et ensuite créer un petit exercice de nettoyage pour justement amener nos propres feuilles mortes à se détacher de nous. Donc nous allons reprendre cette posture de l'arbre intérieur. Vous pouvez le faire soit debout, soit assis, soit allongé, vraiment comme c'est bon pour vous. Ici nous sommes debout, donc je vous propose d'écarter les pieds à la largeur du bassin, de prendre un temps de vous ancrer, sentir vos pieds bien déposés sur le sol et reprendre cette respiration. De faire circuler l'énergie des pieds jusqu'au bout de la tête à l'inspiration. On inspire avec le geste et au bout de l'inspire, nous expirons et nous déployons notre arbre intérieur. Encore une fois, inspirons. Accueillons la sève qui circule jusqu'au bout, au bout de nos feuilles et nous nous déployons. Et une dernière fois, inspirons, faisons circuler la sève de vie. Et là, déployons nos branches, nos feuilles. Voilà. Et dans ce processus, nous allons commencer, les yeux fermés, à visualiser un nettoyage, comme si nos mains étaient un plumeau, des plumeaux pour venir simplement nettoyer, dépoussiérer. Et donc nous allons commencer à faire ce petit automassage de nettoyage, comme pour libérer justement des poussières, du superflu, libérer justement peut-être ces feuilles mortes qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez le faire donc de la tête en passant par les bras, le long de votre corps, fléchir un peu les genoux, jusqu'au bout des orteils. Ça c'est pour le geste. Vous pouvez aussi visualiser que vous êtes en train de le faire. Si vous êtes allongé ou si vous êtes assis et que vous ne pouvez pas passer vos mains sur différentes parties de votre corps, vous pouvez simplement visualiser qu'il y a comme un coup de vent qui vient détacher ces feuilles mortes. Et pour aller au bout du processus de libération, de nettoyage de ce qui n'a plus lieu d'être pour vous, vous pouvez visualiser certaines feuilles mortes et mettre un nom dessus. Peut-être peur, charge mentale, croyance, limite. Et toujours accompagner ce geste d'une respiration bien active. Et une fois que vous vous sentez bien, allégé, vous reprenez une posture neutre, reprenez contact avec vos points d'appui sur le sol, le siège ou le support sur lequel vous êtes allongé et vous observez simplement s'il y a quelques nouvelles feuilles mortes qui ont besoin de se détacher, accompagnez-les dans ce processus de libération et de nettoyage. Et pour mettre plus de conscience, posez un mot dessus. Et respirez. Et comme le changement de saison implique aussi peut-être un changement intérieur, je vais vous offrir un petit geste pour renforcer le système immunitaire. Donc après avoir bien nettoyé, vous êtes bien
créer, vous pouvez simplement venir tapoter pendant une minute ici au niveau du thymus, tapoter, toujours en inspirant, en expirant, et ça va venir libérer une énergie qui va stimuler votre système immunitaire. Toujours inspirer, expirer. Et voilà, tout le long du processus de la saison de l'automne, vous pouvez répéter cet exercice quand bon vous semble, au rythme qui est bon pour vous et autant de fois que vous le voulez. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle saison, une belle rentrée et à bientôt.